Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 4 février 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, on démarre avec la géométrie sacrée pour avoir un premier message, une première tendance pour ce jeudi 4 février 2021. Ça va, Pifly? Tu es en forme, toi? Alors, nous serons sur le chakra de la gorge avec synergie. Donc, chakra de la gorge, c'est la communication, l'expression de soi. Donc, ça renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Ok? Et la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer ou d'être. Et ou d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, on va poursuivre avec un message des anges de l'Atlantide. Ça va, petit chat? Ouais. Ouais. Alors, les anges de l'Atlantide pour ce jeudi, voyons voir le message du jour. Et nous sommes sur miracle. Ouh. Alors, c'est Métatron. Métatron, Métatron, Métatron. Métatron, miracle. Alors, les miracles sont des changements de perception. Et Métatron veut que vous sachiez qu'à l'instar du miracle de la naissance, vous mettez votre force créative à l'avant-plan. Préparez-vous à ce qu'un miracle se produise, car lorsque nous sommes ouverts au miracle, nous remettons nos peurs à Dieu ou à Métatron, qui se tient à la droite du divin. Par conséquent, ayez l'esprit ouvert à la possibilité d'être délesté de tout fardeau, et lorsque vous aurez lâché prise, la source vous fera don d'une joie inattendue. Préparez-vous les amis. C'est bon ça? C'est très très bon ça. En dos d'aigle, Jophiel et méditation. Alors, on va y aller avec le tarot, si vous êtes toujours avec moi. Et on va découvrir le message du jour avec le tarot. Moi, oui, mon chat. Ouais. Ouais. Alors, à la coupe, on est sur le 2 de coupe, l'amour. Les relations, les associations, les partenariats, c'est des rencontres ici, physiques. C'est des échanges physiques en général. Après, bon, vu le contexte, ça peut se faire éventuellement par téléphone ou comme ça. Ça me parle d'une énergie nouvelle avec le valet de denier. Donc ici, il est question de nouvel élan par rapport à un projet éventuellement professionnel. Ouais. Il est là le miracle, as de denier et 2 de coupe. J'ai une transformation. Ok, j'ai une nouvelle phase qui arrive ici, un nouveau cycle, une nouvelle envie, un nouveau départ. Le valet de denier est curieux, il aime t'apprendre, il a ce côté un petit peu jeune, espiègle, enthousiaste, curieux, comme ci, comme ça. Donc ça, pour des partenariats, pour des couples, pour du relationnel, c'est très très bien. On a un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle rencontre qui a un goût de protection, qui a un goût de divin, qui a un goût de synchronicité, qui, vous voyez, quelque chose qui vibre particulièrement avec vous. Alors, professionnellement, 8 de coupe, financièrement, cavalier de bâton, sentimentalement, nous avons le pape. Le challenge du jour, c'est le 6 de denier, la force, 7 de denier, 6 d'épée, pardon, 7 de denier pour la force. Et l'issue, c'est le chariot. Donc, il y a des choses qui bougent ici. Il y a du mouvement.
d'un point de vue financier et sur la synthèse du tirage. Et le challenge, c'est d'avancer justement, d'accueillir ces mouvements, l'esprit tranquille. Il y a peut-être un départ d'un point de vue professionnel ou l'envie de prendre une nouvelle direction pour aller chercher quelque chose qui vous ressemble davantage, quelque chose que vous souhaitez. Le 8 de coupe se dirige vers le 9 de coupe, à savoir la réalisation d'un souhait, quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, qui appelle à l'énergie du cœur, hein, de la passion, du cœur, donc de la création aussi, de la synergie bien sûr. Donc, petit chat d'amour. Bien, là, voilà. Donc, on va aller recouvrir ça. D'un point de vue financier matériel, on voit quelque chose qui avance, probablement un projet ou bien vous qui vous déplacez pour faire des visites, pour faire des contacts, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a un mouvement qui est plus ou moins rapide d'un point de vue financier. Donc, on va aller recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Et sentimentalement, on est sur le pape, des rapports très matures, respectueux. On est dans un esprit de sagesse, de médiation, de trouver les bons compromis. Ici, le pape, c'est une carte un petit peu d'enseignant, la personne d'expérience, de grand savoir qui transmet tout cela. C'est aussi le conciliateur, la personne qui permet d'unifier, de faire la paix. Donc, d'un point de vue sentimental, vous pourriez être cette personne qui justement ouvre l'esprit, ouvre les discussions à quelque chose de plus grand que l'individualité pour se connecter à un tout, pour faire le lien entre différentes situations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le guide ici, vous montrez la voie de l'union, la voie de la sagesse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le 2 de coupe, donc forcément, ça a une notion aussi d'engagement. Ça annonce éventuellement un engagement, mais qui est tout en sagesse. C'est pas impulsif ici. C'est bien réfléchi, très honnête, très sincère. Le challenge, ça va être un petit peu de patience aujourd'hui, ou en tout cas d'accueillir l'envie d'avancer sur un projet qui va s'installer sur du moyen long terme. Donc d'avancer étape après étape en fait. Ok? L'issue du tirage. C'est à nouveau une carte de mouvement, de déplacement, mais c'est également une carte de réussite. C'est une belle étape de franchie ici, c'est le fait de se décider par rapport à un choix, une volonté, et d'y aller franchement, en confiance. Et puis, on verra au fur et à mesure de la route les décisions à prendre, les situations qui se présentent. Mais le chariot est conquérant, le chariot est fier, a fière allure sur son chariot. Donc, il y a quelque chose qui vous fait bien plaisir ici et qui vous fait avancer professionnellement. Ouais, il y a peut-être l'envie d'autre chose. Parce que ici, j'ai un 2 de bâton qui m'indique des blocages. Le fait que vous soyez dans une situation, peut-être c'est du télétravail, le fait de vous ennuyer chez vous comme ça, ou tout simplement de vous sentir limité dans le travail ou les activités ou les hobbies que vous avez. On voit que vous êtes en recherche de sérénité, de bien-être, de paix intérieure ici. Ouais. Et l'envie d'être stimulé. On voit bien émotionnellement, vous avez peut-être envie d'autre chose professionnellement. Et c'est ça qui est en challenge. C'est peut-être des démarches que vous êtes en train de faire, des prises de contact, des entretiens, des choses comme ça. Alors, ça demande d'avancer l'esprit tranquille. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment une remise en question par rapport à vos envies, en fait. Vos envies. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous liez le sentimental au professionnel, c'est-à-dire que vous cherchez un don, un talent, un savoir-faire, quelque chose qui vous est propre, en fait. Vous êtes centré sur vos énergies, à savoir quel est votre don, votre talent, votre mission de vie, quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a une reconnexion à vous-même, un recentrage sur vous, pour avancer dans une direction qui vous ressemble. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi l'envie d'être un petit peu plus sédentaire, plus calme, moins de mouvement, quelque chose d'un petit peu plus tranquille ou plus au calme, plus au vert, quelque chose comme ça. Financièrement, c'est là qu'on a un succès, c'est là que ça bouge. Il y a avec le roi d'épée, il y a une décision qui est prise, il y a une autorité
qui prend position ici et ça vous fait sortir. Ça vous fait avancer. Ça vous fait avancer. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez avec le soleil à signer quelque chose, à trouver un accord ici financier, matériel, pour pouvoir avancer sur un projet. Donc, il peut s'agir avec le chariot d'un déménagement, d'une mutation professionnelle, d'un voyage que vous allez pouvoir financer avec le soleil. Ça peut être également une aide, un soutien par rapport à de la famille ou des personnes proches comme ça. Il y a beaucoup de mouvements entre le cavalier de bâton et le chariot. On a l'impression d'un point A et d'un point B qui sont reliés. Donc ça peut être un choix de vie ici, peut-être une double vie, la semaine en ville, le week-end à la campagne ou vice-versa. Mais il y a un truc qui se joue autour de la réflexion. Il y a une vraie, vraie réflexion autour d'un projet ici. Pas, j'ai le sentiment d'un lieu de vie, d'un investissement en tout cas qui a l'air de vous rendre très heureux, très heureuse. Il y a quelque chose qui vous rend super heureux aujourd'hui d'un point de vue financier et matériel. Et c'est pas un truc lié au jeu de hasard ou comme ça, hein. C'est lié à des discussions et le fait de vous sentir avancé sur quelque chose. Sentimentalement, je vous sens particulièrement très heureux, épanoui. Il y a quelque chose qui est paisible en vous. Serein, sereine, vous êtes bien avec vous-même, vous dégagez une forte énergie d'épanouissement, de réalisation, une belle aura, un bel équilibre et le cœur qui vibre particulièrement avec la reine de coupe, tempérance, c'est vraiment très, très équilibré, très sain. Donc soit ici on est dans un couple où chacun, il y a un fort respect du chemin de vie de chacun, des énergies de chacun, il y a une belle union ici entre deux personnes. Hein. Il y a vraiment un truc réciproque, partagé et en même temps le respect de l'espace vital de chacun. Enfin, il y a un très très bel équilibre d'un point de vue relationnel ici. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment la qualité d'être un bon médiateur et de trouver la manière d'apaiser les esprits, de réunir les gens, d'être, vous voyez, d'aider les gens à faire la paix ou comme ça. Très très belle énergie d'un point de vue sentimental. Puis le 4 d'épée ici, le monde, c'est. Ah, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc sentimentalement, oui, on peut s'attendre à des formes d'engagement, de choix de vie, quelque chose de très sain, équilibré. C'est agréable, hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est assez agréable comme énergie. Hormis le travail où il y a une forme de lassitude, financièrement, matériellement, il y a quelque chose qui vous réjouit. Émotionnellement, il y a une belle, belle, belle énergie. Aussi bien pour vous que pour un tout. Donc, vous avez un espace lumineux ici au niveau du cœur. C'est très, très agréable et ça se voit aussi d'un point de vue matérialisation. Donc, c'est chouette. Donc le challenge, hein, c'est d'avancer l'esprit tranquille, d'être ouvert, comme on le voyait dans la synergie. Acceptation d'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner. Donc s'ouvrir à de nouveaux horizons, sortir de sa zone de confort. Et voilà, l'esprit tranquille, c'est sans peur ni reproche. Voilà. Alors, sur la force, sur le 7 de denier, j'ai le jugement, le 7 de denier et l'étoile. Donc, il y a quelque chose qui vous demande de la patience, mais vous trouvez cet espace à l'intérieur de vous où vous êtes OK avec un rythme, un cycle qui avance, qui fait son bonhomme de chemin. Il y a aussi cette notion de trouver en vous ce calme, ce truc qui est en apesanteur comme ça, où vous avez confiance, où vous avez la foi et vous vous sentez sur votre chemin. L'esprit est complètement libéré et des craintes, des peurs, et du coup. Ça manifeste d'un point de vue financier, matériel, ça libère de la place pour que quelque chose se manifeste ici. Il est peut-être là le miracle aujourd'hui. Hein. Il est peut-être d'un point de vue financier où il y a de l'argent qui sort de terre là. C'est un petit peu. Pourquoi pas? Hein? On plante des pièces et on récolte des billets ou des lingots.
Le soleil, c'est l'or, non? Petit lingot d'or, ça vous dit pas? Sur le chariot, on a l'as de bâton, le 7 de coupe et l'ermite. Donc, il y a une énergie, une flamme à l'intérieur de vous qui ressemble à de l'amour, de l'amitié, des unions, des vibrations ici très très fortes. C'est une autre phase, hein. C'est vraiment une autre phase. Donc, il y a cette flamme avec l'as de bâton. Raviver la flamme, le fait de vous sentir hyper motivé, hyper dynamique. Le 7 de coupe ici m'indique des opportunités. Et l'ermite m'indique que vous avez bien réfléchi avant de vous décider pour aller de l'avant. Donc ici, il y a une vraie réflexion avant de vous lancer. C'est pas étonnant parce qu'il y a cette Diago ici qui m'indique qu'il y a un calme en vous, il y a de l'espace pour avancer, l'esprit serein et être en bonne position pour prendre des décisions. Le cœur c'est pas une décision prise sous le coup de l'émotivité, c'est pas pris dans l'urgence, mais il y a quelque chose qui se manifeste d'un point de vue finance, matériel, juste au niveau carrière, pro, bon, il y a peut-être une reconversion à envisager ou en tout cas une réflexion, un bilan à avoir sur votre état de motivation. Après, bon. Allons voir du côté du petit Lenormand pour ce jeudi 4 février 2021. Oupla. Le chien, la loyauté, la fidélité, les personnes auxquelles on est particulièrement attaché. Allez, allons-y. À la coupe, on a les oiseaux, des discussions stressantes, des discussions autour de la santé, des discussions autour de pertes d'argent, de vol. Des discussions autour d'une inquiétude financière par rapport au foyer ou à l'équilibre de vie. Et en même temps, des discussions qui tournent au fait autour de, vous voyez, ce qui doit arriver arrivera, je vais garder confiance en l'avenir, quelque chose de cet ordre-là. L'hélice, hein, qui m'indique une belle énergie, honnête, sincère, quelque chose d'officiel, quelque chose d'administratif. Ça, c'est tout ce qui est un petit peu papier, administratif, comptabilité, mettre de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment une carte d'ordre, un petit peu, l'hélice. On met de l'ordre dans ces papiers. J'ai une énergie très féminine ici, hein, clairement. L'hélice, ça peut aussi représenter la féminité d'un point de vue charnel ou comme ça. Et bon, on peut avoir ici une énergie très, très épanouissante, où on est en contact avec son aspect yin, son aspect féminin, et émotionnellement, ça fait ressentir des choses, mais on est dans l'accueil, la douceur, la bienveillance. Il y a un aspect assez maternel ici, on prend soin de soi, on est dans une énergie de bien-être, de sérénité. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, peut-être des nouvelles officielles pour quelqu'un, des nouvelles concernant un déménagement. Une belle annonce, l'annonce d'un heureux événement, des nouvelles qui viennent de loin, de l'étranger éventuellement, des nouvelles autour d'un projet de déplacement, mutation, déménagement. On peut avoir un heureux événement ici par rapport à une situation qui était bloquée, une grossesse tardive. Ouais, clairement, la lune et les cigognes, il est question d'une énergie très maternelle. Quelqu'un qui s'empêchait des choses autour de. Alors, comme on a une énergie très maternelle, on a peut-être quelqu'un qui avait du mal à se connecter à ses énergies, à trouver un état de bien-être, un état de tendresse, de douceur en soi, le fait de prendre soin de soi, de se materner, vous voyez, de prendre soin de son enfant intérieur. C'est très, très féminin comme énergie. Juste la montagne m'indique un truc à surmonter, comme un obstacle, comme un blocage intérieur, lié peut-être à l'enfant intérieur, ce qui a empêché quelqu'un d'avancer dans un projet de parentalité. Intéressant. Bon, on va mettre ça comme ça. Ouais. Il y a une transformation par rapport à un état d'être, ok? Une progression. C'est le fait
d'acquérir de l'expérience, apprendre à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur les situations et pas réagir avec émotivité. Il y a quelque chose qui a changé ici, qui apporte une énergie plus calme, plus sereine. Okay? Moins impulsive, moins tournée autour de soi, de sa personne, mais plus autour d'une connexion, d'un truc intuitif, d'un truc vibrant comme ça. Donc on a une transformation. Il y a une nouvelle route qui est prise ici. Et qui permet d'y voir clair par rapport à un désir, une envie. On a bien des nouvelles, une histoire de papier ou de nouvelles qui arrivent. Et ça, ouais, ça vous fait vous poser des questions, mais vous avez la prise de hauteur nécessaire pour répondre à ces questions. Ouais, une femme, un homme. Donc il y a vraiment une question d'union. Et je sais pas, il y a un truc connecté, vous voyez des révélations très maternelles hein, quand même. Bon, pour un couple, ça peut être un projet de vie sur lequel on réfléchit, mais les questions de papier, les questions de. Et les questions de finances, d'engagement, de sagesse. D'un autre cycle de vie, de faire un choix d'un autre style de vie peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette notion de blocage qui... Je voudrais comprendre ce qui fait que les choses bougent en fait. Ouais, il y a quelque chose qui est révélé, une discussion, des papiers qui arrivent ou comme ça, qui permettent de comprendre quelque chose, comprendre un blocage. Okay? Donc c'est peut-être une femme, une énergie féminine qui vous permet... De prendre de la hauteur, prendre conscience de quels sont vos besoins, qu'est-ce qui répond à vos besoins ou comme ça, mais il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Quelque chose toujours très paisible, très ouvert, une énergie de pureté, de nature, d'oxygène, je ne sais pas comment vous dire, mais ça respire le tirage aujourd'hui. Et ça a l'air de vous faire prendre une nouvelle direction, quelque chose qui. Peut-être un truc, un projet qui se fait à deux. Un projet de vie qui se fait à deux, pas nécessairement sentimental, hein, ça peut être professionnel ou comme ça, mais il est question de mettre les choses sur papier, de définir les contours d'un projet sur papier, de l'officialiser. Et bon, de surmonter un blocage pour pouvoir aller vers ce projet, s'engager vers ce projet. Il y a peut-être un blocage par rapport à la notion d'engagement sur du long terme, d'investissement ou comme ça. Il y a une question de signature de papier. Hein. Ok? Alors, il y a une porte et le triomphe. Donc, il y a une belle opportunité aujourd'hui de triompher, hein, de s'élever, de surmonter ce blocage. Donc, ça, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Il y a quelque chose qui vous ouvre et qui vous apporte une forme de réussite, de succès. Hein. Ça fait deux fois, j'ai eu le chariot, là, j'ai le triomphe. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle, mais ça a l'air de vous faire grandement plaisir. Alors, il y a des questions autour d'une peine, une souffrance. L'image de soi, le fait de ne pas s'aimer, d'avoir de la difficulté à s'aimer, d'avoir de la difficulté à satisfaire ses envies, ses désirs. Okay. Et on dit que ce n'est pas une question d'envie, de désir. Ici, il va s'agir de toujours cette notion de douceur, d'affection qu'on se donne à soi-même, de tendresse ou comme ça. Il y a vraiment une notion de... Il y a une forme de conflit par rapport aux donner et recevoir. Ok? Et ça crée une confusion ici par rapport à un engagement, une union. Pour avancer concernant un projet, une signature, une union, il y a vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'il y a une possibilité, mais qui se fait dans le. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre parce qu'on voit qu'il faut mettre les choses sur papier, mais il y a quelqu'un qui a quelque chose à surmonter d'un point de vue émotionnel. On dit que pour le coup, il y a un truc, il faut mettre l'émotionnel de côté pour prendre une décision d'un point de vue pragmatique ou comme ça, parce que l'émotionnel vous joue des tours ici. Ouais. Il y a une forme de difficulté par rapport à de la dépendance, par rapport à. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait avancer d'un point de vue financier et matériel qui est protégé.
Mais il y a vraiment une notion de surmonter un truc ça vous correspond plus en fait. C'est, comment je vous dis ça? C'est une manière d'appréhender une situation qui vous fait aller plus loin sur un sujet. On dépasse l'aspect un petit peu superficiel de l'envie, du désir ou comme ça pour aller plus profond, plus en profondeur par rapport à un projet ici. Pour pouvoir le faire avancer, il va falloir clairement se positionner ou comme ça. Donc, c'était peut-être ça la question de déplacement, de visite, de rencontrer des personnes, de rencontrer des futurs collaborateurs, d'aller visiter un lieu ou quelque chose comme ça. Donc, voir, un, les ressentis, les énergies, comme ça. Et deux, se poser des vraies questions par rapport à ces choix ou comme ça. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui fait douter quand même, la peur de se tromper, la peur de se retrouver bloqué, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable. Il y a une forme de conflit qui peut vous faire tourner en rond, qui peut vous perturber un petit peu. Et une fois que vous le surmontez, vous savez que vous êtes en direction d'un truc qui est un petit peu destiné. Donc pour moi, il y a vraiment une question qui se pose aujourd'hui pour vous. C'est qu'est-ce qui vous rend triste et malheureux? Qu'est-ce qui vous paraît superficiel? Et qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Et c'est par rapport à, je pense, l'aspect professionnel, l'aspect financier, matériel et sentimental. Hein. Il y a de tout ici. Donc, il y a vraiment le sentiment, ce qui ressort du jeu, c'est l'envie de s'ouvrir à, l'envie de respirer, l'envie de sentir à sa place, l'envie de vivre quelque chose qui est harmonieux autour du bien-être. Parce que matériellement, je vois quelque chose avancer. Mais j'ai l'impression que professionnellement, vous voyez, votre faire ou comme ça, il y a un vrai questionnement. Certains peuvent se sentir limités aujourd'hui ou tourner en rond comme ça. Et vraiment l'envie de faire un choix de vie, hein, bouger quelque chose en soi, dans sa vie ou comme ça. Alors, on a le triomphe, la clarté et la cohérence. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de vos énergies. Il y a une nouvelle qui arrive aujourd'hui, clairement, hein, qui apporte du bonheur, qui apporte une forme de libération, d'ouverture, de pureté, de... Je sais pas, c'est très... C'est peut-être ça, le miracle. Une nouvelle qui arrive, peut-être un contrat de travail, mais quelque chose qui, pour vous, arrive comme un miracle, vous ouvre, vous éveille, vous permet d'envisager la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est de regarder les choses avec lucidité, hein, de voir au-delà de l'apparente réalité. Comme on le disait, quoi, il y avait deux aspects, une première lecture superficielle, on va dire, et une seconde lecture plus en profondeur. Et on vous dit, avec la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait vous sentir hyper bien, qui vous apporte une solution pour surmonter quelque chose et transformer clairement quelque chose dans votre vie, prendre une direction. Vous trouvez des réponses aujourd'hui. Vous trouvez des réponses et vous passez à un autre cycle. Donc, c'est intéressant. Vous êtes en action, ça en a vu avec le chariot et tout. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui arrive, une bonne nouvelle, qui vous permet d'avancer sur un aspect ou deux de votre vie. Vous y voyez clair, vous sentez, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Vous le dites, donc ça correspond à vos vibrations, ça vous correspond, vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous, donc triomphe, succès, réussite, miracle, ok? Excellente communication, oser sortir de sa zone de confort, accueillir l'incertain, l'inconnu et vivre tout simplement. Bon écoutez, je vous souhaite une excellente journée sur ce et je vous dis un grand merci de votre écoute et de votre présence quotidienne. Merci également infiniment pour votre soutien, car c'est le moment de liker la vidéo, laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, partager votre expérience, vos ressentis par rapport à la lecture, la partager si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, et également pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été par hasard désabonné. Pour ça, je vous dis un grand merci et je... Vous souhaite à nouveau une excellente journée, un bon jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.